Israël et le Maroc ont consolidé leur alliance militaire lors d'entretiens mardi à Rabat entre le chef de l'armée israélienne Aviv Khoshavi et de hauts responsables marocains dans le cadre d'une coopération grandissante entre les deux États. Le général Khoshavi a été reçu par Abdelatif Loudihi, ministre délégué chargé de la Défense, pour la première visite officielle d'un chef d'état-major d'Israël dans le royaume. La visite avait pour objet le développement d'axes de coopération dans les domaines de la formation, du transfert de technologies, ainsi que le partage d'expériences et d'expertises, a indiqué l'état-major marocain dans un communiqué. Une centaine de personnes se sont réunies devant le Parlement à Rabat pour dénoncer cette visite. Les manifestants ont brandi des banderoles à l'effigie de Shirin Abu Akleh, journaliste palestinienne tuée en mai dernier en Cisjordanie. Malgré la réprobation d'une partie de l'opinion, le rapprochement entre les deux États se poursuit depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington. Fin juin, des observateurs israéliens ont participé pour la première fois à l'exercice militaire African Lion 2022, le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis.